bana Congo bana mokili mobimba match eza kwata na niveau osakana te kaka ni expliquer kibino kiza ko yinda la kati ya ville province Kinshasa ba candidat ba tomboki na kati ya assemblée nationale kaka ni expliquer kibino ba kosa binote na assemblée nationale nga pa tu refimu ko ntombolo liswa mokonza mboka Fatshi Béton na zolo ba que to voter papa na biso mboso pudia kwanga Kudia Pwanga, tout voté papa Mbosso. Ou ça les grands patriages. Mampangi na beto. Megewo, megewo ave. Megewo, megewo ave. Mampangi na beto. Bana beto Mbosso mou kasai. Tout voté papa Mbosso. Kudia Pwanga. Ndazali, de père et de mère. L'affaire de Mobondo, ce qui est là. Na Peter Kaza di Vepem. Izali, pour papa la bisope Mbosso. Kudia Pwanga. Il y a Télémaque en tant que patriarche, en tant que de père et de mère nationaliste, les Kambou à Mabélé. Voilà qui n'a pas les Kambou à Mabélé. Vous avez dit que le chef de l'Union européenne est un peu de Papa Mboso Kudia, Pwanga, Yambi Bango, en tant que patriote. Si vous avez voté, vous êtes étranger. Vous avez voté, vous êtes un Congolais. Attendez ma maternelle place. Banani basa ki ba camarade ne beta bile. Banani basa ki ba camarade ne oke. Ba beta même kede. Même j'ai des 6. Mais ba camarade pa Mboso Kudia. Pwanga baza ba yebani. Ba pangi na beto. Mega wo, mega wo afe. Bana beti bosa mukasai. Ba depite na dissonance. Ba toto. Ya goma. Bukavu. Kisangani tu kona voté mukubwa yetu Mboso Kudia Pwanga il est de père et de mère Rwanda ko yate Burundi ko filtrete ba loi ya kitoko ekota na parlement pour yaza de père et de mère tu komi na tant que les kambu ya mabele o facha lo baki bozongo jete bozongo jete. Merci à Soda Fati, Dadou Kambaj, Kambotali Kouangou, Massi Manim, Mbakana, Kambotali Énergie à courant, Kambotali Nouvelle Technologie. Yo, Orolé là pourquoi? Fati a Tonga, Nouvelle Cité Nabandoudou, Kubanda Kengeti Nasuka, Kubanda Mbakana. Tito kende kikimi, soje ya, tito fansé, kikwiti, partout na bandu no mobimba. Tomati malamo kisangani. Tomati équateur, touke est. Po Dadou, Kambaj, Souda Fati, ya fana na bigote, ya za homme du terrain, n'a pas tchore fina kita na terrain. N'est-ce pas Tchoumba la pawe? N'est-ce pas commandant Tabou? N'est-ce pas Vepem Peter Kazadi? N'est-ce pas papa Mboso, Poudia Kwang? Suivons comme si vous étiez les images. De Dadou Kambaj, l'homme du terrain, suivant comme vous étiez, Boyo Kabomona, Makambonga na Zoroba, Yangwane Bandi, Kisalumi Banda, avec Fatshibe Béton, suivant. Malgré les nombreuses centrales hydrauliques existantes, les Congolais souffrent d'un déficit énergétique important. Dans certains endroits de Kinshasa, la capitale, les habitants n'ont jamais eu droit à la lumière. C'était le cas du quartier Mbakana, jusqu'il y a peu. En ce mois de mars, l'entreprise Hydro-RDC Développement, spécialisée dans la construction des barrages hydrauliques, a ciblé le quartier de Mbakana dans la commune de Maluku pour débuter la phase pilote de son projet salvateur. Accompagnés de notre équipe de tournage, les représentants d'Hydro-RDC Développement se sont entretenus avec les autorités du coin avant d'investir les locaux du centre de santé de référence de Mbakana. Ce centre hospitalier iconique, financé avec le fonds de la reine Elisabeth en 1945, n'avait jamais connu l'électricité. Jusqu'ici, il fonctionnait grâce à des générateurs.
Maintenant, là, les couveuses peuvent fonctionner. La radiologie peut être fonctionnelle. Mais sans oublier ça, on peut espérer très prochainement, au lieu que les communautés amènent les corps de cas décédés au centre-ville, ils vont le faire ici, puisque la fourniture de l'électricité va créer une ouverture au développement de cette formation sur le plan local. Que vous avez vu et toutes les installations que vous avez vues ont été réalisées sur fonds propres. Entre nous, avec les associés, c'est sur fonds propres que nous l'avons réalisé. Aujourd'hui, notre potentiel global hydroélectrique des études que nous possédons, c'est 58 MW dans la ville de Kinshasa, dont la première étape qui se trouve sur ce site est de 19 pilotes pour ne pas perdre de l'énergie. Nous commençons à faire la distribution des abonnés. Nous sommes en discussion avec l'Agence nationale de l'électrification rurale, ANSER, que je salue fièrement, et qui nous accompagne dans la connexion des abonnés sur une centaine de clients. Première étape, nous sommes à un endroit où on peut développer de l'industrie, avoir accès aux zones économiques, avoir accès à une population qui a besoin de l'énergie et qui est disponible dans la partie est de Kinshasa. Et nous suivons la vision du chef de l'État. Ici, dans la salle de machine, vous voyez que c'est une technologie simple dont le secret se trouve dans le génie civil qui se trouve sous nos pieds, dans la façon de recevoir l'eau et faire tourner l'eau pour faire tourner notre roue. La roue est tournée, nous avons le multiplicateur et nous avons l'alternateur qui produit l'électricité. S'il y a un message que je peux faire passer, c'est de dire que nous avons aujourd'hui des compétences congolaises. Parce que ça, c'est fait par des Congolais. Avec des ingénieurs congolais, nous pouvons avoir des consultants, mais c'est une société congolaise, avec des compétences congolaises, avec qui nous développons et construisons ce type de technologie. De nous faire confiance et de pouvoir que nous puissions nous prendre par la main pour pouvoir avancer. Voilà ce que nous pouvons demander. À la suite de cette démonstration, je pense que nous avons été à la première connexion des abonnés de l'hôpital de Mbakana que nous utilisons comme test. Je vous invite à attendre un peu le coucher du soleil pour que vous visiez avec moi l'éclairage public de la cité de Mbakana dont l'énergie est produite par... La phase test est déjà un franc succès. Les habitants savourent comme le personnel de l'hôpital de Mbakana la présence de l'électricité. Merci parce que basali o ba roga osala na makoke bazaki nango makamaka selala ebele na mboka o tulu lesela ka poli mere ko tika bo moyo ni bayiba eza ku tute poli mere peuvent produire et...
Congo, il y a Rwanda, 30 niveaux Congo, il y a Congo. Fatia, il y a des pères et des mères, il y a des gens qui Congo est bon, Congo est comme on a droit, tout le monde est Congo comme Amérique. Bon, il y a Français, il y a Américain, et ça, il y a un bon, il y a un bon, il y a un ambassade, il y a Ukraine, il y a un tout le monde a besoin d'un hôtel, tout le monde a besoin d'ambassade, il y a un DC. Nous devons soutenir Poutine. Poutine devons soutenir lui. Non, on a calé au Sangalete. Le Congo doit changer. Ah, on a vu le président Kinshasa. Il y a un autre baboui. Na Kinshasa, toujours voté et dit Yéli. Oyo a eu la politique pour envoyer Maté. Toujours voté Daniel Bumba, Losa Bumba. Bobby Losa Bumba. Toujours voté Daniel Bumba. Mabogo Kitoko, Mabogo Pembe. Il n'a jamais fait de crime. Le Congo doit changer. On va soutenir Daniel Bumba et a dit Yéli Moulangi, papa social, l'homme du terrain, l'homme fort. L'homme qui a des visions de Fachi, l'homme il est congolais des pères et des mères. Il va déboulonner systématiquement la ville de Kinshasa. Kinshasa, c'est le Kinshasa, la Banyongo. Kinshasa, le château. Kinshasa, la salité. Kinshasa, solo. Moutoko Bongo, Kinshasa, c'est Daniel Bumba. Et le Mina, et le Mona, et dit, il est mon papa social. Il y a coupé sa voix, la moto, il y a. Azana, ma boucle, vous avez la maquilla. Ma pangue, la moune, bougango. Mego, mego, affaire. Ma pangue, la bête. Tout la massa. Image à Fatih. Tala. Maître Kevin Kamuzuna, l'homme le plus suspect. Beta Bango m'a fait un désordre. Mon président, Freddy Pindi, force. Richard Okissi. Yo yebi, le baron Richard Okissi. Moutoumalam. Fatih, ben, bête, moi, maï, ben, bête, moi, quand t'as bête. Peuple congolais, la tempo, lisse ou cola lisse, nous avons besoin de ça. Au moins, nous avons suspect à un dégrené, d'un service, la dégrené. Image à mon côté, Zamboga, tous les cas. Au palais présidentiel gris des Nouakchott, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a été chaleureusement accueilli ce mercredi 27 mars 2024 dans la soirée par son homologue de la République islamique de Mauritanie, Mohamed Ould Ghazouani. Aussitôt après l'accueil, les deux chefs d'État se sont retirés pour un tête-à-tête de près d'une heure. Une rencontre qui s'est par la suite élargie en bilatéral avec leurs collaborateurs respectifs. La relance de la coopération bilatérale en perspective de la convocation d'une commission mixte et la situation dans l'Est de la République démocratique du Congo ont été les principaux points débattus. Et s'agissant justement de la crise sécuritaire et humanitaire en RDC, le président de l'Union africaine s'est dit disposé d'assumer ses responsabilités conformément au texte de l'UIA pour aider, encourager les médiateurs angolais, le président João Lourenço, à remplir la mission de paix lui confiée par l'Union africaine. Le président de l'Union africaine, le président mauritanien, a promis de faire de tout son mieux pour que le dialogue que le président Lourenço a relancé se fasse dans des conditions qui nous permettent de tirer le plus grand bénéfice de ce dialogue-là, qui suppose qu'on parle sincèrement. On se dit la vérité et on cherche dans un esprit constructif des solutions durables à la crise, pour nous à cette agression qui exige que l'armée rwandaise quitte notre pays dès lors que maintenant, à tous les niveaux, même au niveau de l'Afrique, il ne fait plus de doute que le Rwanda est le premier responsable de la situation tragique que connaît notre pays à l'Est. Ce qui concerne la coopération bilatérale, les deux pays comptent organiser une commission mixte Mauritanie-RDC. Il y a un travail d'évaluation qu'il faut faire et d'actualisation des instruments de coopération qui datent de 1974. Je crois que le travail va se faire comme d'habitude. Nous comptons convier nos experts à procéder à cette évaluation avant que nous puissions organiser de manière formelle la commission mixte Mauritanie-RDC. Perspective des développements économiques, il faut rappeler que Kinshasa et Nouakchott ont une amitié vieille des années Mobutu.